Et eh bien salut à tous, c'est Naxi, on se retrouve aujourd'hui pour le vidéo unboxing test de la GPD XD+. Alors vous le savez, j'avais déjà une GPD XD, c'est la rouge qui se trouve ici. J'ai reçu de la part de Belchine pour pouvoir vous en faire le test une machine de près, une GPD XD+, afin de pouvoir vous montrer qu'est-ce qu'apporte cette GPD XD+ par rapport à la GPD XD première du nom. Alors je peux d'ores et déjà vous le dire, il y a eu un changement au niveau de la RAM, ils ont rajouté 2 Go. Il y a eu un changement au niveau du processeur et du chipset graphique qui apporte plus de performance, mais ça nous le verrons un petit peu plus tard au moment du benchmark. Côté unboxing, on ne va pas s'éterniser très très longtemps, puisque au niveau de la boîte en elle-même, on a une boîte qui est sensiblement similaire à la boîte qu'on avait sur la GPD XD première du nom, que vous avez déjà vu sur la chaîne. Alors au niveau de l'intérieur de la boîte, on y trouve donc une boîte comme ça avec un clapet aimanté, une petite feuille de protection en mousse par-dessus la console. Ils ont eu l'intelligence et la très très bonne idée de nous fournir maintenant une protection d'écran. Donc voilà, ça c'est vraiment pas mal. Bon, la notice, je ne vous en parle pas, elle est intégralement en chinois, donc elle est vraiment pour nous, Européens, d'aucune utilité. Au niveau des accessoires qu'on trouve également dans la boîte, ben on va avoir un câble micro USB, vers USB pour pouvoir charger la console et la brancher sur le PC. On va également avoir un adaptateur secteur qui est compatible 110 et 220 volts, mais qui a une prise américaine. Non, on le voit pas bien, je vais le sortir du sachet. Voilà, donc il a une prise américaine. Il nous livre donc un petit adaptateur qu'on viendra mettre en plus comme ceci. Mais bon, n'importe quel adaptateur secteur de téléphone, du moment qu'il fait 2,5 ampères en sortie et 5 volts, qui est la norme de l'USB, j'arriverai pas à vous le montrer. Mais voilà, du moment qu'on a un adaptateur qui fait 2,5 ampères en sortie et 5 volts, ça ira parfaitement bien. Donc voilà au niveau de la boîte. Pareil au niveau des consoles, on ne va pas s'éterniser énormément dessus, puisqu'au niveau du form factor, on a toujours quelque chose qui ressemble à de la 3DS et qui surtout est totalement identique entre la GPD XD et la GPD XD+. Donc je le rappelle, la GPD XD+ est le modèle qui est en noir. Comme vous pouvez le voir, au niveau du form factor, on est vraiment sur quelque chose qui est 100% identique à ce qu'on avait précédemment. Et déjà, avec la GPD XD, on avait une forme qui ressemblait très fortement à une New 3DS XL. Donc là, c'est toujours pareil. Autre nouveauté qu'on a sur la GPD XD+, c'est Android. Puisque à la base, sur la GPD XD classique, nous étions sur une version Android 4.4.4. Voilà, donc je ne sais pas si on arrivera à bien le voir. Voilà, on était en 4.4.4. Maintenant, nous sommes sur une version Android 7. Donc là, ça va être un petit peu plus dur puisque le fond est blanc. Je vais essayer de faire le point, voilà. Là, on voit que nous sommes en une version d'Android en 7.0. Alors, qu'est-ce que ça apporte le fait d'avoir changé de version Android? Ben, c'est assez simple. Ça va nous permettre d'avoir une meilleure compatibilité au niveau des jeux et un catalogue de jeux qu'on va pouvoir prendre sur le Play Store qui sera bien évidemment plus importante du fait que Android a été actualisé. Donc, la console a évidemment aussi plus de puissance, comme je le disais, et ça, on va le voir au niveau des benchmarks. Je vais vous lancer un benchmark qui s'appelle AnTuTu, et on va également se lancer quelques émulateurs, histoire de voir un petit peu ce que cela donne. Donc, pour la partie où je vais lancer des émulateurs, j'utiliserai ma carte de capture pour ne pas filmer comme je suis en train de le faire là. C'est pas évident de bien voir l'écran, voilà, faut continuellement faire le point avec la caméra, donc j'opterai plutôt pour une vidéo prise avec la capture d'écran. Et par la suite, on fera également un petit test pour voir comment tourne un jeu mobile assez lourd qui est connu à l'heure actuelle et qui est beaucoup joué, qui est PUBG Mobile. Donc on verra, je le lancerai simultanément sur les deux consoles, j'essaierai de faire le point convenablement afin d'avoir une image qui, je l'espère, restera nette entre les deux consoles. Et donc maintenant, on va voir tout cela ensemble. Allez hop, on est parti! On va commencer directement en rentrant direct dans le vif du sujet avec un benchmark. Donc je vais lancer le même benchmark sur les deux consoles. Alors vous allez voir que sur la GPD XD+, qui est en noir, qui se trouve donc à gauche, le benchmark va commencer différemment, tout simplement puisque le processeur étant plus récent, la console gère donc d'autres jeux d'instructions et donc du coup elle a un benchmark supplémentaire au départ qui n'est pas le même qu'on a sur la GPD XD classique. Et donc du coup voilà, donc j'ai bien évidemment accéléré au montage
La partie où je ne fais rien au niveau du bench, j'ai simplement remis la vitesse normale au moment où, comme je le fais maintenant, je teste la température. Donc c'est un thermomètre laser en fait pour tester la température. Donc on peut voir que sur la nouvelle version de la console, on a une enveloppe thermique qui est parfaitement conservée. On n'a pas mis un processeur qui est beaucoup plus puissant, mais à l'inverse qui chauffe énormément plus. Là, on a une enveloppe thermique qui reste similaire. Pareil au niveau de l'écran, on a toujours un écran qui chauffe convenablement. En main, la console n'est pas chaude, à part après de très nombreux moments d'utilisation. Forcément, la console va commencer à devenir un petit peu plus tiède. Donc là, voilà, c'est ce que je disais, hein. J'accélère les parties où il y a du benchmark, puisque ça sert à rien de perdre du temps à rester devant la vidéo. Donc j'ai accéléré toutes les parties en fait où je n'utilisais pas le thermomètre laser, afin de raccourcir le temps de la vidéo et que ce soit quelque chose d'homogène et de digeste à regarder pour vous. Donc là, une partie du benchmark est terminée maintenant. On voit qu'une console est à 56%, l'autre à 78%. Forcément, puisque la GPD-XD Plus a eu un benchmark supplémentaire au tout début. Et toujours pareil, hein, on a une température en main de la console qui ne chauffe pas énormément. Voilà, ça sera au tout juste un petit peu tiède. C'est vraiment pas quelque chose de dérangeant. Donc là, la GPD-XD classique a quasiment terminé les benchmarks. On est sur la toute fin. Et on peut voir qu'elle obtient un score donc de 52 909. Sur la GPD-XD Plus, forcément, vu qu'on a eu un benchmark supplémentaire au début, on est un petit peu en retard. Mais on peut voir que plus les tests avancent, plus la console arrive à rattraper son retard. Donc là, pareil, voilà, on est quasiment sur la fin. Et au niveau des résultats, bon, bah, c'est sans appel, hein. On est à 52 909 sur la GPD-XD classique et on est à 88 772 sur la GPD-XD Plus. Donc on a quasiment 30 000 points de plus. C'est quand même pas dégueulasse. Voilà, on a vraiment au niveau des performances quelque chose de plus performant sur la GPD-XD Plus. Donc ils ont fait vraiment un bon travail à ce niveau-là, il n'y a pas à dire. Même au niveau de la fluidité dans les menus, lorsqu'on va lancer des applications lourdes, au niveau de la fluidité dans les menus, ça va tout de suite se ressentir. Donc là voilà, le test final est là. Plus de 88 000 pour l'une et plus de 52 000 pour l'autre. On a bien une belle différence. On va maintenant se lancer un petit peu de PUBG Mobile. Donc là, on va pouvoir voir effectivement que les temps de chargement, par exemple, sont également plus courts sur la GPD-XD Plus. Forcément, la console a plus de mémoire, elle a plus de RAM. Donc les temps de chargement vont être plus rapides sur la GPD-XD Plus. Donc encore une fois, un confort supplémentaire au niveau de l'utilisation. Au niveau du jeu, alors je ne sais pas si ça va bien se voir dans la vidéo, puisque là, je commente après coup, je suis en train de commenter au montage en fait cette vidéo. Et au niveau de PlayerUnknown's Battleground, on a vraiment quelque chose de plus fluide. Alors je ne sais pas si ça se verra fortement dans la vidéo ou pas, mais moi au niveau du gameplay, quand je joue sur ma GPD-XD, j'ai de temps à autre quelques petits, c'est pas des lags, c'est quelques petits temps où le jeu va freeze, mais ça va freeze une demi-centième de seconde. En soi, c'est pas gênant, mais si ça intervient alors qu'on est en train de viser, par exemple, ça va nous déranger et on va mettre donc notre curseur à côté de la cible. Voilà, ça peut être dérangeant. Alors, ça n'intervient pas souvent, ça n'intervient pas tout le temps, mais il faut savoir que de temps à autre, sur la GPD-XD classique, pour PUBG, j'ai ce problème-là. Autre chose que je tenais à dire au niveau de PUBG, alors je ne sais pas si c'est les drivers des consoles qui ne sont pas à jour ou si c'est simplement le mode au niveau du jeu qui n'est pas compatible, mais que ce soit sur mon téléphone, donc mon téléphone j'ai un Huawei P9, ou que ce soit sur les consoles, lorsque je vais dans les options pour demander les graphismes à un cran supérieur, là les deux consoles sont réglées en graphisme bas, lorsque je mets en médium ou en élevé, eh bien, le jeu ne fonctionne simplement plus. Je suis obligé de le désinstaller ou de le réinstaller ou alors de passer par une réparation. Voilà, ça ne fonctionne pas. Donc là, le bench que vous voyez où j'ai mis les deux consoles côte à côte, en fait, c'est fait avec les graphismes en bas. Donc vous avez pu le voir pendant le chargement, une fois de plus, la GPD-XD Plus est plus rapide. Forcément, ça fait beaucoup de plus dans la même phrase. Mais bon, ça, j'y suis pour rien. Donc là, pareil, on va se lancer un petit mode dans PUBG. Un parti classique
en solo. Donc là, on va pouvoir voir que je vais me retrouver exactement dans la même session. Enfin, les deux personnages vont être dans la même session. Donc c'est pas plus mal, on va pouvoir se croiser. Donc là, voilà, je vais galérer 2 petites secondes le temps que les deux personnages se retrouvent. Mais on va pouvoir se voir. On va également pouvoir voir après par la suite. Je vais faire en sorte de positionner les personnages et de les mettre en course automatique. Et j'espère que c'est à ce moment-là, j'espère que ça se verra, que sur la GPDXD+, on n'a vraiment aucun petit lag, aucun petit freeze, en fait, où le jeu va friser un tout petit temps, certes, mais il va friser de temps à autre sur la GPDXD classique, alors que sur la plus, très sincèrement, ça passe vraiment crème comme dans du beurre, il y a pas de freeze, hormis des freezes réseau. Donc là, on n'y peut rien. Si on capte mal, moi là, j'étais à la maison avec une box en 5 GHz pour faire le test. Donc forcément, voilà, je vais pas avoir de lag ou de problème réseau puisque je capte bien le Wi-Fi. Par contre, si on s'amuse à partager la connexion de son téléphone et qu'on a des lags, que ce soit la XD ou la XD Plus, dès qu'on est sur une connexion mobile ou une connexion où ça va pas forcément très bien recevoir le réseau, là forcément, on va rien pouvoir y faire. Donc là, voilà, comme je disais, donc les deux personnages sont en train de descendre. Ça va faire le lâcher de parachute et ensuite je vais les envoyer tout simplement courir en ligne droite, histoire de vous montrer un petit peu ce que cela donne. Voilà, c'est vraiment agréable aussi également. On a toujours la fonctionnalité qui permet d'assigner les touches physiques à des touches virtuelles sur l'écran. Donc c'est ce que j'ai fait sur PUBG. On a un petit mode afin de pouvoir le faire. Et c'est vraiment quelque chose de très pratique pour tous les jeux qui ne gèrent pas nativement les commandes physiques. Eh bien, on a la possibilité de les rajouter. Donc, je ne sais pas si au cours de la vidéo, je ferai un petit encart pour vous le montrer. J'en avais déjà parlé dans mes précédentes vidéos sur la GPDXD classique. La fonction est toujours là. Et là, voilà. Donc, je mets les personnages à courir droit. Et là, vous avez vu, par exemple, il y a eu une petite accroche, un petit lag. Vous pouvez revenir en arrière dans la vidéo pour regarder. Ça arrive de temps à autre sur la GPDXD classique et ça n'arrive à aucun moment sur la GPDXD+. D'autre part, le jeu est plus fluide. Alors c'est dommage, sur ce jeu-là, on ne peut pas afficher un compteur d'images par seconde. Mais je suis sûr et certain qu'on a entre 5 et 10 images par seconde en plus sur la GPDXD+. Je ne peux pas vous le montrer et c'est dommage. On va repasser un petit coup de température. Donc là, on peut voir que je suis à 36,7 sur la première, sur la GPDXD classique. Et sur la plus, je suis à 37,7, 37,4. Voilà, donc on a vraiment une enveloppe thermique qui est respectée à ce niveau-là. C'est vraiment quelque chose d'appréciable. J'avais peur qu'en changeant les composants internes, puisque la console, forcément, plus puissant dans le même packaging, ça aurait pu chauffer, ça aurait pu être désagréable en main. Là, c'est pas le cas. Voilà, donc là, on va en terminer avec PUBG, hein. Voilà, je voulais vous montrer que ça fonctionnait mieux, bien évidemment, sur la GPDXD+. Et on va maintenant passer, je pense, du côté des émulateurs, histoire de voir un petit peu les performances de cette nouvelle GPDXD au niveau des émulateurs. Donc, pour les émulateurs, sur ma chaîne YouTube, vous avez les émulateurs qui ont été tous testés en long, en large et en travers sur la GPDXD classique. Donc, je ne vais pas faire de comparatif puisque il me faudrait deux câbles HDMI, deux boîtiers de capture. Et enfin, ça va vraiment être galère au niveau de la partie logistique pour filmer les deux consoles en action. Donc je vais me contenter simplement de vous montrer la GPDXD+ en action sur des émulateurs assez lourds, hein. Bien évidemment, ça sert à rien que je vous montre pendant 20 minutes de la Super Nintendo, de la Mega Drive ou de la Game Boy. C'est pas le but de cette vidéo. Bien évidemment, ces émulateurs-là tournent à la perfection. On va plutôt se cantonner à de la Nintendo 64, à de la Dreamcast ou à de la Saturn, bien évidemment. Pour la partie capture, comme je vous le disais, je vais avoir recours à mon AVerMedia Live Gamer Portable 2, donc que je vais brancher directement sur une batterie externe, puisque je ne vais pas le brancher au PC, je vais faire de l'acquisition directement sur la micro SD. Avec un câble mini HDMI vers HDMI, je vais me brancher à la GPDXD, puisqu'elle a la possibilité d'avoir un export vers un écran. Donc moi, je vais me servir de cette fonction-là pour avoir l'image de ma GPDXD dans le boîtier et donc du coup l'enregistrement. Et ensuite, bah, je vais simplement appuyer sur le bouton record et puis on va faire un petit tour comme ça du côté des émulateurs. On va commencer les hostilités avec un petit peu de Dreamcast. Donc j'ai choisi l'émulateur Raycast.
Donc là, je vous ai fait un petit montage où d'un côté, on voit que ça tourne bien sur la GPDX D+, et de l'autre côté, on voit l'écran qui est capturé directement via la carte de capture. Donc côté Dreamcast, hein, vous allez voir, j'ai sélectionné deux jeux. J'ai lancé dans un premier temps Power Stone, puisque c'est un jeu, je me souviens très bien comment il tournait sur la GPDX-D classique, qui tournait déjà plutôt pas trop mal. Il y avait quelques petites saccades de temps à autre, mais c'était vraiment minime. Bon là, je peux me rendre compte directement d'une chose, c'est que l'émulateur a dû avoir des mises à jour, puisqu'on n'a plus de glitch d'image au niveau de l'écran de sélection des personnages et au niveau de l'écran titre. Avant, les images étaient un petit peu entrecoupées, comme si c'était mal raccordé. Là, je vois qu'ils ont résolu le souci, donc là, c'est pas une question de GPDXD+ ou pas, c'est vraiment une question au niveau de l'émulateur. L'émulateur a eu une mise à jour, et donc là, franchement, ben, ça s'annonce plutôt pas trop mal. Ça a l'air de... Ouais, ça tourne vraiment correctement. Il n'y a pas à dire, bon, ce titre-là, précisément, tournait déjà très bien à la base. Là, du coup, voilà, je pense qu'on a quand même un gain en fluidité, puisque l'émulateur Dreamcast nécessite quand même un minimum de puissance pour tourner convenablement. Là, on a peut-être voilà les 3-4 images par seconde qui manquaient pour avoir un framerate stable sur la GPDX-D classique. On les a maintenant et donc du coup, on a quelque chose qui tourne à 100% de la vitesse originelle. Donc c'est plutôt pas mal. Franchement, de ce côté-là, la Dreamcast, c'est une console qui s'émule pas facilement. C'est juste que les émulateurs sont bien plus avancés que ce que ne peut l'être par exemple un émulateur Saturn. Donc là voilà, au niveau de ce titre-là, ça passe plutôt pas trop mal. On va maintenant changer de jeu. On va se lancer un petit Daytona USA. Alors je sais que Daytona USA tournait. Alors il tournait pas très bien. Il y avait des glitches au niveau des menus. Et il y avait un problème au niveau des commandes. Voilà, donc on va voir si au niveau de l'émulateur, il y a des mises à jour qui ont été faites à ce niveau-là. Je me souviens bien qu'on ne pouvait plus accélérer ou on ne pouvait plus tourner. Enfin, il y avait des problèmes dans ce genre-là. Donc on va mettre le 60 Hz, hein, classique. Non, B et B, voilà. On va quitter directement, c'est pas grave, de toute façon on n'a pas besoin de sauvegarder. C'est pas un jeu sur lequel de toute façon je compte revenir. C'est vraiment juste pour le test et voir un petit peu si ça tourne mieux. Déjà visuellement comme ça, on dirait que ça tourne un petit peu mieux. On va voir maintenant. Bon, le problème étant sur celui-ci, c'était clairement les commandes. On pouvait simplement pas jouer au jeu puisque les commandes fonctionnaient pas. Donc on a toujours le glitch dans les menus. Bon, je pense qu'on va avoir le même problème que précédemment, à savoir que là, ça vient clairement de l'émulateur et pas du dispositif sur lequel on y joue. Bon, le jeu, cela dit, a quand même l'air de tourner un peu mieux. Le gain en puissance de la XD+ est quand même notable à ce niveau-là. Et bah voilà, bah voilà, les commandes ne fonctionnent pas. C'est exactement le même cas de figure que précédemment. Bon, on va pas s'attarder là-dessus, on va directement passer à autre chose, je pense. Ça sert à rien de. Voilà, on peut pas se faire une idée vu que les commandes ne fonctionnent pas. On va directement passer à autre chose. Voilà, on ne peut pas tourner ni à gauche ni à droite. C'est pas la peine de s'éterniser là-dessus. Ridge Racer, donc celui-ci pareil, un titre qui tournait, on avait quelques saccades au niveau du son et de temps à autre quelques petits ralentissements, fallait aller faire de gros changements au niveau des paramètres de l'émulateur. Alors il faut savoir que sur la nouvelle XD, avec la nouvelle version de PPSSPP, puisque là on n'est plus sur la Dreamcast, on est sur la PSP bien évidemment, on a la possibilité d'activer Vulkan et on le voit tout de suite. Vulkan apporte énormément, on a beaucoup moins de crash audio que ce qu'on pouvait avoir. Bon, il y en a toujours un petit peu de temps à autre. On a toujours un petit peu le son qui crachote, surtout quand le commentateur vient dire Final Lap ou des choses comme ça. Mais par contre, au niveau du jeu, on a une fluidité, on est à 100% de la vitesse en émulation. Donc là, bien évidemment, j'ai pas rapatrié mes saves. Donc on se retrouve avec les premiers véhicules sur les premiers circuits. Donc forcément c'est pas des véhicules qui vont super vite, ça peut vous paraître lent, mais c'est pas lent par rapport au fait que l'émulation est lente, c'est lent par rapport au fait que c'est les premiers véhicules du jeu. Voilà, j'ai simplement installé ces jeux-là sur la GPDXD,
plus. Et j'ai directement relancé, je me suis pas embêté à essayer de transférer mes saves. Je sais d'ailleurs même pas si c'est possible au niveau de l'émulateur PSP, voilà, j'ai pas cherché à comprendre. Toujours est-il que là sur Ridge Racer ça tourne bien, au niveau audio on est sur quelque chose de bien. J'ai voulu tenter Little Big Planet qui lui fonctionnait quand même beaucoup moins bien sur la XD première du nom. On avait le jeu qui avait des freezes assez récurrents. On a le jeu qui tournait pas à une vitesse à 100%. Donc là, j'ai pas l'impression que ça tourne encore à 100%, mais c'est quand même beaucoup plus fluide que ce qu'on avait par le passé sur la XD première du nom. Voilà, on avance dans les niveaux, ça se fait quand même très très bien. C'est bien fluide hein, quand même. Je sais pas si on est sur du 100%, mais en tout cas, c'est bien fluide. Il n'y a plus tous les moments où ça frisait assez régulièrement sur la GPDXD première du nom. Donc là, encore une fois, l'apport en puissance, plus le fait, bien évidemment, qu'il y ait eu des mises à jour sur l'émulateur et le fait qu'on ait Vulkan qui soit disponible maintenant sur le PPSSPP, ça apporte vraiment. Dernier titre que j'avais juste envie d'essayer vite fait comme ça, c'est Def Jam Fighting for New York, qui est un jeu de baston que j'apprécie énormément. Donc là, pareil, j'ai pas récupéré ma save, j'ai simplement lancé un combat à 1 contre 1 en prenant un des personnages qui était dispo comme ça. Et là, pareil, on se rend compte que ça tourne excellemment bien, c'est très net. Voilà, on voit bien, hein, y a pas d'aliasing quasiment, c'est vraiment propre. Alors oui, ça casse pas les yeux non plus, on est quand même sur un jeu PSP. Donc dans les options de l'émulateur, j'ai mis la PSP en résolution x2 et le rendering en résolution x2 plus Vulkan, et ben voilà, ça nous donne ça, ça nous donne quand même quelque chose qui est très propre et qui est très agréable. On va maintenant se tourner du côté de la Nintendo 64. Même si c'est pas une console qui nécessite énormément de puissance puisqu'elle est vieille, c'est une console qui a pas mal de problèmes à être émulée et qui nécessite de la puissance au niveau de la devise sur laquelle elle va être émulée. Donc du coup pareil, je sais pas ce que ça donne au niveau des émulateurs, je sais pas s'il y a eu énormément de modifications au niveau des émulateurs, mais on va se lancer ça et on va voir rapidement. Donc là voilà, un petit Mario Kart 64 et après on basculera faire un petit tour du côté de F-Zero. Puisque pareil, voilà, c'est deux jeux que j'aime bien et c'est deux jeux sur lesquels je suis susceptible de jouer sur ce genre de périphérique. On va se lancer ça rapidement. Bon, les menus, on s'en fout un peu. Les menus clignotent, je sais pas pourquoi. Il y a des petits clignotements. Je sais pas si ça se verra à l'image au moment du montage, mais il y a quand même quelques petits clignotements. Bon, pareil, ça a l'air de bien tourner. Mais là, c'est pareil, hein, je m'attendais plus à quelque chose de la part de l'émulateur en lui-même, puisque ça tournait relativement bien sur la GPDXD première du nom. Donc du coup, sur la nouvelle version, forcément, ça tourne bien, voire même mieux. Et voilà, pas de souci de ce côté-là. On a un Mario Kart entre les mains qui fonctionne plutôt bien. Voilà, bon, ça tourne correctement. Je pense qu'on va maintenant directement passer sur le F-Zero, qui, je l'imagine, tournera toujours tout aussi bien que le Mario Kart 64, puisque pareil, c'est des jeux qui fonctionnaient déjà bien avant. J'ai lancé voilà, un émulateur 64, histoire de vous montrer comment la Nintendo 64 tourne, mais bon, ça reste des jeux qui tournaient déjà convenablement. C'est juste pour voir si ça tourne un petit peu mieux, et surtout si les émulateurs ont évolué, puisque à l'époque, quand j'avais fait les vidéos sur la GPDXD, je vous avais proposé quelques émulateurs. Donc du coup, là voilà, je suis toujours sur le Nintendo 64, j'ai remarqué qu'ils ont ajouté des pubs sur le côté. Donc, ça c'est quelque chose qui est assez chiant, c'est un émulateur que j'avais pas acheté. Mais bon voilà, le F-Zero il tourne, hein, y a pas photo. On va terminer maintenant cette petite vidéo avec la plaie, à savoir la Saturn, qui était déjà très chiante à faire tourner avant. En ce qui concerne Dolphin, c'est pas vraiment la peine d'essayer, du moins je l'ai pas inclus dans la vidéo, parce que il faut se retrancher sur des versions de Dolphin assez anciennes, et concrètement les gars de chez Dolphin ont décidé de faire du boulot sur les chipsets les plus puissants. Donc du coup toutes les dernières versions de Dolphin sont concrètement là pour nous montrer que ça tourne mieux sur du Tegra X1.
Et donc, du coup, comme pas tout le monde est équipé en Tegra X1, et ben, on est un petit peu à la ramasse, donc c'est pas la peine de vous le montrer. La Saturne, bah voilà, je vous en montre quelques images. Segarali tourne, mais très sincèrement, c'est désagréable à jouer. Il manque du framerate. Voilà, donc la Saturne, il faut savoir que j'ai essayé les deux émulateurs qu'on peut trouver sur le Play Store, à savoir UOYABOS et à savoir SAYABOS, un truc comme ça. Je me souviens plus exactement du nom, je vous mettrai dans les détails de la vidéo. Mais bon, la Saturne, c'est toujours pareil. Ils vont rajouter deux jeux qui marchent et ça va directement impacter trois jeux qui fonctionnaient à peu près convenablement, qui vont plus marcher ou qui vont avoir des glitches. Et c'est totalement ce que j'ai rencontré en vous faisant cette vidéo, à savoir que bah, Sega Rally fonctionne, même s'il ne fonctionne pas à 100% au niveau de la vitesse, il fonctionne. Mais par contre, à côté de ça, on a deux jeux comme Guardian Heroes auxquels je jouais, qui vont avoir des glitches graphiques, ou encore Darius, qui vont avoir, voilà, qui vont avoir des problèmes de fonctionnement. Donc je vais vous les montrer, hein, puisque avant de faire la vidéo, je les ai testés, bien évidemment. Donc Guardian Heroes, toute la partie où on est dans le menu, bah, ça se passe très bien. La cinématique de début fonctionne. Les menus ne sont pas glitchés. Toutes les parties où ça va discuter la conversation de l'histoire, ça va fonctionner. Mais dès qu'on va passer sur une phase de gameplay, on va avoir une superposition des sprites un petit peu folle. Pareil, tous les sprites, que ce soit les sprites des niveaux ou les sprites des personnages, vous allez le voir dans quelques instants, bah en fait ça va tout superposer, ça va rendre le jeu bah, juste injouable. Voilà, donc c'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà, la Saturne sur Android, hein, principalement, j'ai l'impression que je ne sais pas ce qu'ils font. Plus les versions avancent, ça améliore certains jeux, on le voit dans les changelogs, hein, ils vont dire dans le changelog, il y a tel jeu, tel jeu, tel jeu qui fonctionnait pas, qui va fonctionner, mais ça va directement impacter les jeux qui tournaient précédemment. Donc là, pareil, je le dis, je le répète, c'est vraiment pas au niveau de la GPDXD qu'il va y avoir un problème, voilà, c'est vraiment au niveau de l'émulateur. Je suis sûr que si je remets une ancienne version, bah, j'aurai pas ces bugs-là, mais par exemple, Sega Rally ou Darius Gaiden ne fonctionneront plus. Et celui-ci fonctionnera. Bref, tout ça pour vous faire. Je vous laisse sur ces quelques images pour vous faire une petite conclusion. Donc, après ces quelques jours avec la GPDXD+, bah, je tenais à remercier Belchine une fois de plus de bah, m'avoir fait confiance en m'envoyant ce produit pour pouvoir vous en faire la review. J'ai noté que la consommation de batterie était mieux utilisé en fait, c'était beaucoup plus. La console tient plus longtemps, malgré le fait que j'ai quand même pas mal joué avec pour vous proposer tous ces tests et savoir de quoi je parlais. Donc j'ai trouvé que la capacité de la batterie, bien qu'étant la même, c'est sûrement l'apport d'Android 7, fait que, bah, que la batterie se décharge quand même moins rapidement alors qu'on a un processeur plus puissant. Toujours aussi agréable au niveau des housses et des accessoires, bah vous pouvez prendre par exemple une housse pour 3DS, la console rentre parfaitement à l'intérieur. Et c'est vraiment un objet sympa à transporter, surtout si vous êtes fan de rétro gaming, c'est vraiment l'objet à avoir. Après, on peut bien évidemment jouer à tous les jeux Android, hein, je vous l'ai montré avec PUBG Mobile, mais s'il y a des jeux Android qui vous plaisent, qu'ils aient un support manette inclus ou qu'ils aient un support manette qui n'est pas inclus, de toute façon, avec la petite interface, on va pouvoir assigner des boutons physiques aux touches tactiles, donc ça va vraiment poser aucun problème. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci encore une fois à Cédric, hein, de m'avoir permis de pouvoir vous faire ce vidéo test. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, en vous souhaitant comme d'habitude de bien vous amuser. Allez, ciao les amis!